Bonjour à tous, nous sommes dans le manuel de lecture Chute, je lis et nous sommes à la page 82. Aujourd'hui, vous allez lire le texte qui se trouve ici, en bas de cette page. Je lis le début d'une histoire. Cette histoire dont vous avez ici la couverture. Vous retrouvez une illustration sur laquelle vous apercevez un tigre. Et vous remarquerez également l'écriture du titre de cette histoire. Où est Petit Tigre? Point d'interrogation, c'est une question. Découvrons le texte. Avant de lire ce texte, vous remarquerez que ce texte est écrit sur 4 lignes. Et que dans ce texte, nous avons 4 phrases. La première phrase qui se termine ici par un premier point. La deuxième phrase qui se termine au deuxième point. La troisième phrase qui se termine aussi par un point. Mais c'est un point un peu particulier. C'est ce qu'on appelle un point d'interrogation, puisque c'est une question. Et enfin, dernière et quatrième phrase, ici, qui se termine également par un point d'interrogation. Lisons ensemble ce petit texte. Petit tigre est peureux. Pourtant, il veut voir le monde. Un jour, il est pris par les hommes du village. Mais que faire d'un petit tigre? Et s'il lui rendait sa liberté? Deuxième lecture. Petit tigre est peureux. Pourtant, il veut voir le monde. Un jour, il est pris par les hommes du village. Mais que faire d'un petit tigre? Et s'il lui rendait sa liberté? N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois la vidéo, à mettre sur pause et à vous entraîner à lire ce texte plusieurs fois.